connais Jésus. Et j'aimerais savoir, depuis quand vous avez commencé là? Ça fait au moins 20 ans. Et d'où vous est venue cette passion? Bon, moi j'ai pris ça à un maître. D'accord. Depuis petit, vous aimiez l'art et puis vous avez voulu faire de ça votre métier? Moi j'aimais parce que ça venait venu comme ça. Ça venait venu comme ça, bon, je me demandais, je vais travailler quoi, je vais faire quoi dans la vie. Oui. Et je me suis trouvé, je vais avec un gars, un maître qui m'a montré ça. D'accord. Et comment vous faites pour avoir les matières premières? Les matières, ça provient de la RDC, telles que les cuivres, ça vient de la RDC. Et est-ce que c'est cher ou c'est accessible à tout le monde? Vraiment, c'est difficile, c'est cher, ça coûte cher. Ça coûte trop cher, surtout les cuivres. Ça coûte vraiment trop cher. Vous vous retrouvez quand même quand vous vendez ces tableaux d'art? Vous arrivez à subvenir aux besoins de votre famille avec ça? Dans des temps passés, on se retrouvait, mais maintenant là, ça passe pas. Mais il n'y a pas suffisamment des clients qui viennent, des gens qui viennent, des petites robes viennent aussi pour acheter à Milan. Il n'y a pas de vacanciers, il n'y a pas de tourisme, donc ça ne marche pas. Le confinement? Vraiment, à part le confinement, ça ne marche pas. D'accord. Donc vous pensez que le Covid a eu une action sur l'économie? Mais tout ça a fait comme ça. D'accord. Et est-ce que les Congolais de Brazzaville, est-ce qu'ils s'intéressent aussi à l'art? Est-ce qu'ils achètent énormément? Normalement, ils achètent. Mais normalement, les clients que nous avons maintenant, c'est les Congolais. Ah bon? Donc, c'est mal les Congolais. Donc les Congolais sont quand même intéressés par l'art? Oui, ils achètent. On voit même les petits d'avoir bien demandé et passer sur la commande. D'accord. Et est-ce que les tableaux coûtent cher? C'est surtout ça, les gens se disent souvent que ça coûte cher. Normalement, l'art n'a pas de prix. Dans l'art, je peux commencer à 100, 200, 300 000, n'a pas de prix. On va d'abord savoir là où on va s'arrêter avec le prix. Normalement, s'il y a l'argent, celui qui a l'argent peut acheter cher. Oui. Celui qui n'a pas l'argent, il peut baisser. Il peut acheter aussi moins cher. Donc, vous fixez les prix par rapport au visage du client? Pas de client. Pas de client. On donne seulement les prix. Oui. Et celui qui s'y connaît en art? Oui, on donne seulement les prix. Vous allez seulement débattre. Si vous dites non, moi j'ai ça. Oui. Si ça me convient, je vois que nous ça va, je peux prendre. D'accord. C'est ça. Ah, merci beaucoup. Ok, merci. Vous voulez donner vos coordonnées? Peut-être qu'il y aura des gens qui voudront acheter des tableaux d'art et puis venir ici. Moi je m'appelle Moukanya Joseph. Oui. Et je suis ici à la Rimboshi. La télé c'est à la Rimboshi. D'accord. Et mon numéro de téléphone c'est 06 532 67 43. 06 532 67 43, c'est ça mon numéro. 67 43. Voilà. D'accord, merci beaucoup. À toi aussi, merci. C'est Piero Kabongo. Et vos coordonnées pour les personnes qui veulent vous retrouver? Si vous me trouvez, c'est contre rail ici. Oui. Contre rail vers le. Si vous montez vers Chirachi, numéro 1, ici à Boshi. Et votre numéro de téléphone si possible? Le numéro de téléphone 05 oui. 320 95 13. 05 320 95 13. Oui. D'accord, merci beaucoup. Ok. Thank you.
Non, c'est monsieur Odinga Poko, Jean Thierry. D'accord. Et les coordonnées sont les suivantes. Le 06 oui. 561 d'accord. 01 96 d'accord. Et le 05 568 70 10. D'accord, merci beaucoup. Merci. Michel Baye Kabaza. Et on peut avoir vos numéros de téléphone. Qu'est-ce qu'il y aura quelqu'un qui voudra vous contacter? Mon numéro de téléphone, c'est 05 521 14 46. D'accord. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. C'est les pierres Malakit. Oui. Celle-là, c'est Aziret. Aziret, c'est celle-ci. Oui, c'est ça. Oui. C'est Malakit. Celle-là, c'est turquoise. D'accord. Turquoise. Turquoise. D'accord. Oui. Et derrière. Aussi, d'autres pierres. C'est le nom, hein. Il y a beaucoup de pierres là. Là, ce sont les pierres brutes. Oui, c'est les pierres brutes. Celle-là, c'est les pierres travaillées. D'accord. Et c'est vous-même qui les travaillez? Oh, oui, je suis de ces pierres taillées. D'accord. Et plusieurs personnes aussi achètent les pierres brutes. Oui. Ça sert à quoi ces pierres-là? Les pierres-là, c'est naturel. Ça soigne. D'accord. Moi, c'est notre pierre. C'est notre pierre précieuse. Ce sont des pierres qu'on retrouve ici au Congo? Oui, au Congo. À Fati et Bosokofongo. Bosokofongo. Il y a aussi d'autres provinces. D'accord. Et il y a des pierres qui reviennent aussi de la RDC? Oui, oui, comme les malakites. D'accord. Celles-là, les malakites, là, c'est bien du RDC. D'accord. Okay. Et s'il vous plaît, ça, ça représente quoi? Ça, là, c'est les Union fait la force. C'est l'ensemble des familles. D'accord. Et là, par exemple, ça représente? Ça, là, c'est les pensées, les traités des pensées. Et ça, c'est quoi? Ça, là, c'est les oiseaux. D'accord. Et les statuettes, par exemple, ça représente quoi? Ça, là, c'est le retour au champ. D'accord. Et cette femme-là avec son enfant, c'est pas qui? Mère doublée. Ah, mère double. Il y a deux enfants ici. Ah, il y a deux enfants, d'accord. Il y a deux enfants. Ah, il y a un devant et un derrière. Ah, d'accord. D'accord. C'est une mère africaine. Oui. Qui font beaucoup de choses beaucoup, à la fois. Il aime beaucoup la foi. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est le président Marien Wabi, je pense. Oui. D'accord. Et donc chaque matin, vous êtes obligé de nettoyer. Oui, pour qu'il y ait les poussières, comme on est dans des saisons sèches. Oui. Les poussières, il faut nettoyer chaque fois. Et si quelqu'un achète ses œuvres d'art à la maison, comment on nettoie? Juste avec un chiffon ou il y a des produits? Il y a même les malakites, il faut nettoyer avec les cirages. D'accord. Il y a les bois, il faut nettoyer dans les trottoirs. D'accord.
il y a les tickets qui nettoient dans les noix, il y a les bronzes qu'il faut nettoyer dans les miroirs, il y a les billets de miroirs qui déboîtent ici pour nettoyer les bronzes avec ça là. D'accord. Et vous pouvez nous donner vos coordonnées, peut-être qu'il y a des gens qui seront intéressés et puis qui aimeraient venir acheter. Oui, je suis ici, je suis dans la rue Mboshi, Conterail. Vous êtes monsieur ? Je suis maître Fidèle. D'accord, maître Fidèle. Et votre numéro de téléphone ? 06 988 24 42. Merci beaucoup. Merci. Et votre numéro de téléphone ? 05 336 89 26. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle John Seco. John Seco, mon numéro de téléphone, c'est 05 531 21 65. 531 21 65. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Dans la campagne, c'est un atome. Ils ont représenté Nini. Oui, on va nous présenter un message. Message ? D'accord. Et encore, on a quel animal ? Il y a corne, il y a éléphant. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Qu'au fabriquer et l'eau qu'on a bouillé, il y a un messager par exemple. Et ça, a combien de temps ? Bon, pour fabriquer un mot, ça a tout fait 5 jours. D'accord. Vraiment, il y a qui tout. Vraiment. Attends.
Et ça, c'est quel arbre? Ça, c'est bois gris. Bois gris? Ouais. Ça, c'est le bois gris. Et c'est avec ça que vous fabriquez les statuettes? Les statuettes avec le planche aussi. D'accord. Ouais. Bois gris, bois de fer, ébène. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Et vous en trouvez facilement ici? Pardon? Vous en trouvez facilement au Congo? Oui. Effectivement. Ça. Donc, tu vois, les bois là, c'est seulement au Congo. D'accord. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Oui. Même à RDC, Gabon, il y en a pas. Donc c'est vraiment la richesse du Congo, quoi. La richesse du Congo. Oui, donc avec par exemple le manguier, c'est pas possible de fabriquer des statuettes, hein? Non. Non. Photocopie, il n'y a pas de. Non. C'est pas fait en deux exemplaires. Non, vous voyez. Ah, mais ça, c'est très beau, celui-ci. Ça, c'est notre culture, telle que ça, tu sens que c'est la culture africaine. Oui. Voilà. Si on fait beaucoup de choses, des portraits, si vous avez des commandes, amenez, on peut les produire. D'accord. Ça, c'est des trucs que vous n'allez jamais voir. Ouais, ça, c'est très beau. Ouais, ça, vous n'allez jamais voir. Il y en a plein. Marche. Ah oui, c'est très beau. Et je me rappelle qu'avant, quand on était petit, cette chaise-là était réservée aux vieux. Ouais, c'était souvent pour les vieux. On faisait ça pour les vieux. Voilà, les jeunes ne pouvaient pas s'asseoir sur cette chaise. Ouais. Ça s'appelait comment? Tanawa. Quand un jeune s'asseyait dessus, on disait non. C'était spécialement pour les vieux. Waouh. Wow. Ça, c'est beau en décoration. Et ça, par exemple, c'est pas nouveau, hein. Ça, c'est vraiment ancien. Ah bon? Vous avez juste restauré, essayé. J'ai pas restauré, depuis que c'est fait, c'est souvent comme ça. Vous voyez pas l'état de la chaise? Ouais, c'est vrai en plus. Et cette chaise, par exemple, vous la vendez à combien? Pardon? Cette chaise, vous la vendez à combien? Ça là, ouais. C'est 450. Ça, c'est ancien. Ça, c'est pour vous voir l'état. Vous allez comprendre que c'est pas trop. Oui, je comprends. Ouais. Ouais, c'est quelque chose vraiment d'ancien. Waouh! Très beau. Plusieurs animaux, peau de fleurs de l'hippopotame, rhinocéros et l'éléphant. Qu'est-ce que les clients achètent souvent? Bon, ça dépend. Qu'est-ce que vous vendez le plus? Bon, ce que nous vendons le plus, c'est plus la peinture et la sculpture. D'accord. Ouais. La peinture et la sculpture. Ouais, je me présente, je m'appelle Monsieur Cheryl Bomongo, artiste peintre plasticien. Okay. Donc, dans l'art plastique, on fait tout ce qui est là. D'accord. Donc, on a la sculpture, on a le bronze, on a le métal battu et la peinture. D'accord. Voilà. Donc nous sommes à Brazzaville, sur la
Rumboshi, numéro 2. D'accord. Et vos coordonnées téléphoniques? Ouais, notre numéro de téléphone, c'est le 00-242-06-485-50-99. Maison Art du Bonheur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci par vous.